Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment circuler à cheval en extérieur. C'est-à-dire quelle allure choisir, comment se positionner dans un groupe et comment gérer les croisements, les dépassements et les passages délicats. Exactement, pour assurer sa sécurité dans le respect des autres et de l'environnement. Eh bien, c'est parti. L'allure de base de l'équitation d'extérieur est le pas. Commencez toujours votre sortie au pas. Et repassez au pas pour franchir les croisements ou un pont et sur les sols délicats. Assurez-vous que les chemins que vous empruntez sont ouverts aux cavaliers et évitez de quitter les allées cavalières en forêt. Si la voie est étroite ou si vous circulez au bord d'une route, positionnez-vous en file indienne. Gardez la distance d'un cheval imaginaire entre vous. Placez le couple le plus expérimenté en tête du groupe. Si la voie est large et dégagée, vous pouvez circuler en groupe informel ou côte à côte. Comportez-vous en cavalier responsable. Respectez les autres usagers. Gardez toujours des distances de sécurité dans les dépassements et les croisements. Respectez l'environnement. Et donnez l'alerte en cas d'anomalie. Le trot se prend sur un terrain souple, égal et non glissant. Trottez en levée de préférence et pensez à changer régulièrement de diagonale pour ne pas fatiguer le cheval. Le galop se prend si vous avez une bonne visibilité, que le sol le permet et que vous êtes à même de gérer la vitesse. Évitez de toujours prendre le trot ou le galop au même endroit si vous empruntez souvent le même parcours pour que votre cheval ne vous vole pas le départ d'une sortie à l'autre. Passez au pas peu avant la fin de votre sortie, terminez à pied si besoin et desserrez la sangle. En résumé, quand vous allez en extérieur, privilégiez le pas. Passez au trot ou au galop seulement en terrain confortable avec une bonne visibilité. Respectez les autres. Gardez des distances de sécurité dans les croisements et les dépassements. Et soyez prudent. Partez en groupe et prévenez de l'heure de votre retour. Soyez à l'écoute de votre cheval. Bientôt, vous pourrez faire des sorties de plus en plus longues. Décidément, le cheval, c'est trop génial.